Oui, c'est des toilettes TQ5. C'est un timbre, c'est un deux un de Slawini sous Hammond. Un choix en train de mesurer Zaini sous Hammond, c'est qu'il y a un Douala. Douala, c'est Tizé Ebel. Mathieu Tizé Ebel, Tizé Ebel. Il y a une pangaz. Il y a une pangaz, un mesurinus Zaini sous Hammond, mlech mlech. من مقلك كيس القايت تمزغوية سنفهم ذا شوكن شدان يسعدان اللي قبيليا إذا يغيثن سومثا يتمهر سانيتا فرانسيس وكين ذا ماكس دريدر نثالي وامران تيزي إبل اسمي فران الجيران طراز مجال فرنسا 62 يفاد الحال دي كوزرتيس 20 سكوسن أمزوي كين سام شوارت مزوي سمتدين ذا سوريف ذا سوريف في تون إتاب دو ليستوار نمزوي نتموت ني قبالي نلزاير السومتا يراد دي زوج الاف وثلاثاش يون نوزليس ساكني نسوزولا كين لاساس دو بيني دوالا ان ادوليسون دون لا تورمونت ذا شكين غيبوين نسولا سي وكني اغدي حكور وكار غاف تمزينس غاف مكي سعدان اسبوع سنين نطراب نلقينا الوقت مهرسان فرانسيس في تيزي ايبل ذواني كل بطل اسعدان بلاسن اسعدان في مدن كاكين في مزار يقبليين اما سي ثما انت مهرسة فرانسيس اما ورا سي ثما نمويني من قار لا يلان لارمي الليبيانسون ناسونال خاطر البطل اللي لد السياو السياو باش كي جان نروح تصور غازي وكنياد نسكل ياك انشتاكين للجروح هاكني سوها من الشكي يضغان أسمح كان يوثي وثا تينير دا ماكس نثالي وامران أزول فلك دا ماكس Je vous dis bonjour à tous et je voudrais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant cette épouvantable période de la guerre d'Algérie que j'ai vécu avec tous les gens du village de Tizi Ebel. Abnaros et puis ces Grecs-là, même Tagmout Azouz. Si vous avez des questions à me poser, je vous en prie. C'est une merci à Damax. C'est même si c'est Damax, c'est que si Smith Daran, on a un homme qui est une Française qui est une Française. Après, il y aura le point de mort. Et hier, ils sont bas d'après les Français, ils sont bas, c'est une Austin de Saoul. Mais si c'est une Austin, après l'indépendance, il y aura les mêmes Français. Et qui me l'ont choisi, c'est une Austin de Saoul. Et Français, ou les Tarbellis. Et hier, c'est pour ça, Adslem, vous allez entendre plus d'un max de Français, ou les Tarbellis. Donc, Damax, Saouyoufan, donc tu nous racontes un peu le parcours. D'abord, pour que les gens, nos auditeurs, puissent comprendre de qui il s'agit, Max Drider, ça serait bien de nous raconter votre enfance, votre naissance, votre père, comment il s'est retrouvé en France, comment il s'est marié avec une Française, et comment vous avez eu, et comment vous vous êtes retrouvé à Tizi Ebel à l'adolescence. Tout ça, on aimerait bien que vous alliez nous le raconter aux téléspectateurs de Tukisan. D'accord. Alors, mon père est venu, il avait 16 ans. Il est venu en France, il a quitté sa famille à l'âge de 16 ans. Et il est parti pour Paris et a commencé à travailler dans Paris jusqu'à dans les années 36-37, et il est redescendu sur Marseille. Et à Marseille, il a connu ma mère, et elle était aussi à Paris, et elle a dû s'enfuir et s'est retrouvée à Marseille avec un fils, donc mon demi-frère, qui s'appelait Jeannot. En fait, il s'appelait plutôt Rodolphe. J'ai su après. Et donc, ils se sont rencontrés là, environ en 40, quoi. Et moi, je suis donc né en novembre 42. Et
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma mère a certainement été malade. En tout cas, elle est tombée très malade au point d'être aliénée. Mais ça, je l'ai su plus tard. Mais en fait, moi, j'ai perdu ma mère. J'avais probablement 3 ans, en gros. Et mon père, ne pouvant pas me garder avec mon demi-frère, a décidé de m'emmener en Kabylie et me confier à sa mère Fatima, ma grand-mère. Et donc, je suis arrivé en 46, j'avais 4 ans, et mon frère en avait 10. Et donc, ma grand-mère nous a gardés. Un an après, mon père est revenu pour reprendre Jeannot, mon demi-frère, parce qu'il ne pouvait pas s'y faire, il ne pouvait pas vivre en Kabylie. Et moi, donc, j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à son décès. Voyant cela, je me suis retrouvé tout seul en Kabylie. Personne ne pouvait s'occuper de moi, quoi. Quand il a su ça, il est rentré et s'est remarié immédiatement avec Sarkouyan Narsen, qui m'a élevé, quoi. Et puis en 49, j'ai eu un demi-frère, Mokran Atayor, voilà. Et connaissant la misère qui sévissait en Kabylie, mon père a voulu nous amener sur Marseille. Et c'est vrai que la Kabylie, c'était la misère. Et donc, nous sommes arrivés à Marseille en 53. Et donc, j'ai passé 3 années à Marseille. C'était des belles années, quoi. Mais 3 ans après, mon père est tombé malade, gravement malade, au point d'en décéder en mai 56. Et de ce fait, ma belle-mère a été obligée de revenir en Kabylie. Elle ne pouvait pas rester à Marseille. Et là, j'avais 13 ans, en 52. Donc, nous sommes rentrés... C'était un cousin vieil Atmansour qui est venu de Paris nous aider à partir de Marseille. Et il nous a accompagnés jusqu'à Tizi. Et donc, nous sommes partis en Kabylie. Et arrivés en Algérie, on s'est aperçu vraiment que c'était vraiment la guerre. Mais étant jeunes, nous étions jeunes, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Ça nous amusait plus qu'autre chose. Hein. Jusqu'à notre arrivée au village. Et au village, les choses ont bien changé. C'était totalement différent. C'était véritablement une guerre féroce entre les militaires et puis les gens des maquis. Beaucoup faisaient partie, étaient du village. Il y avait une cellule FLN au village. Quand nous sommes arrivés, ils étaient 6-7 avec à leur tête Shinan Krasi. Il y avait son frère Mzien. Et là, j'ai découvert un monde totalement différent. Il a fallu. D'abord, je ne parlais plus kabyle en rentrant. Et il a fallu que je réapprenne à parler ma langue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître les Moudjahidines, les Maquisards, qu'on recevait quasiment tous les jours. Ils venaient le soir. Au début, c'est vrai qu'ils avaient des possibilités, mais les militaires étaient moins présents. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que notre village, et puis Agnaros, c'est la fin d'une crête. Nous sommes dans les montagnes, et c'est un endroit idéal pour se cacher, et c'est pour ça que les Moudjahidines venaient quasiment tous les jours, étaient de passage,
se ravitailler. Et donc, on les a connus de très près. Plusieurs personnes du village faisaient partie de la cellule d'organisation pour la réception des Moudjahidines. Et on a connu comme ça beaucoup de maquisards. Et nous avons assisté, malheureusement, à partir de, mettons, fin 56-57, nous avons assisté à des batailles incroyables. Les Moudjahidines se battaient contre les forces militaires françaises. Et il y avait des victimes des deux côtés. Nous avons eu des batailles mais incroyables, au point d'être bombardés avec des avions à réaction. Par la suite, on a su que c'était des réactions, parce que ça faisait des bruits incroyables. On nous a bombardés, notamment la bataille de Mohammed. Je prends la paix de Mohammed, mais ce n'est pas le colonel Amir Rocher. C'était un commandant qui s'appelait Amir Rocher. C'était un commandant, ce n'était pas du tout le colonel Amir Rocher. Mais il était de la région. Et donc, nous avons assisté à maintes reprises à des batailles, aussi bien à Tizi Ouzzane. Et la plupart du temps, ça commençait à Taouris Moussa, même plus loin, à Tizi Ouzzane. Mais ça finissait toujours chez nous. Pourquoi ? Parce que à Saknout, à Azouz, il y avait un poste depuis début 57, 1957. Il s'appelait le Python. Et il voyait tout ce qu'ils voulaient avec leurs jumelles. Et la plupart du temps, ils avaient toujours l'œil sur Taouris Moussa. Et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils descendaient rapidement sur Taouris Moussa. Et les batailles commençaient toujours par se faire là-bas. Et les maquisards se retiraient. Et traverser donc notre village, passer de chez nous pour prendre la route des Ouadias, à Sif et Ouadrine. Et donc, c'est comme ça que nous avons connu énormément de batailles de ce genre. C'était des escarmouches, la plupart du temps. On envoyait chez nous, on envoyait à Taouris Moussa, on envoyait en face à Asfrah, juste en dessous de. À Sirès et même à Siani, pareil, on a assisté de chez nous à des batailles incroyables jusqu'en, mettons, 58, ça a été la pire des années, nous avons eu des dizaines de morts et même pas mal de maquisards étrangers qui sont tombés chez nous. Et jusqu'à début 59, il y a eu des batailles par dizaines et ça s'est terminé réellement en juin 59 à la suite du ralliement du village à la SAS de Beni Douala où Dino avait réussi à rallier notre village. Mais il y a eu une histoire. S'il a réussi à le faire, c'est parce que à partir de 58, lorsque des gens du FLN sont venus des Ouadias, eh bien, tout a changé. Ils ont pris le pouvoir à la place de Qassi Atramou. Et à ce moment-là, ils se sont comportés différemment. Ils ont eu des comportements inacceptables vis-à-vis des villageois, qui les hébergeaient depuis tellement longtemps, à tel point qu'à un moment, ils convoitaient les filles du village, aussi bien à Gnavos que Tizi Ouzzane. Malheureusement, ils avaient des mœurs un petit peu dévoyées. Et ce qui fait que Virkasm Afkadi a décidé, pour arrêter
ce carnage, parce qu'en fait, ça devenait infernal, parce que nous étions pris en tenaille, entre les militaires qui déboulaient sans avertir l'arme au poing, et même ils tiraient très souvent sur n'importe qui, et puis les maquis d'armes qui devenaient un petit peu des voyous, des vrais voyous. Ce qui fait que Virasmat Pali a décidé un jour d'aller voir le capitaine Dino pour lui demander de l'aide pour éviter que le village ne sombre dans l'infamie. On connaît le NIF de chez nous. Notre honneur on passe avant tout, quoi. Et donc, c'est comme ça que le ralliement de Tizi Ouzel a été réalisé. Ce qui fait que du jour au lendemain, il n'y a plus eu de maquisard. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de contact. Hein. Il faut bien se dire que chez les Kabyles, il n'y a pas de rupture. Hein. Ils ne passaient pas dans le village, mais les villageois allaient dans les champs et dans les ravins pour les ravitailler. Il y avait toujours un contact avec les Moudjahidines, hein, aussi bien à Gnaros, à Tegrairan. Ce qui fait que, officiellement, il n'y avait plus de Moudjahidines dans la région, chez nous, mais officieusement, ça continuait toujours. Et à partir du ralliement, donc, effectivement, Oudino avait gagné, mais il l'a gagné de manière féroce. Il nous a fait subir les pires choses. De 57 à 59, quasiment tous les 10 jours, tous les 15 jours, nous étions rassemblés, nous étions accroupis, les mains sur la tête. Nous étions cernés par les goumiers de la SAS avec des armes, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à arrêter des gens juste pour marquer le coup ou les faire parler d'une manière ou d'une autre, parce que beaucoup de familles, pas toutes les familles de Tizi Ouzel, mais beaucoup de familles hébergeaient les Moudjahidines, ce qui fait que il suffisait pour lui de nommer quelqu'un, de l'emmener à la SAS, de le torturer, et on sait ce que ça donne, il est obligé de parler. Et encore, quand je vois comment ça s'est passé, très peu ont vraiment dénoncé ce qui se passait, parce que sinon, tout le village était réellement impliqué dans l'hébergement des Moudjahidines. Tout le monde savait tout ce qui se passait. Heureusement que la SAS n'a pas su tout ce qui se faisait. Voilà. Et Oudino, à partir de là, a fait croire que c'était sa gloire, quoi. Il a été jusqu'à à faire des publications dans les journaux d'Alger comme quoi Tizi Ouzel, le premier village rallié, c'était à sa gloire, quoi. Mais en fait, c'était faux. C'était rien du tout. Un village de 1000 habitants, c'était de la blague, quoi. Il a même fait, pour faire croire qu'il avait réussi quelque chose d'extraordinaire, il a invité le général de Gaulle à visiter Tizi Ouzel. Et effectivement, ça a été une réussite, quoique c'est faux, parce que je pense que le général a très bien compris la façon de faire du capitaine Oudino, qui, quand on fait le résultat, je ne sais pas tout, il est probable qu'il y a des choses qui m'ont échappé, mais à ma connaissance, à ma personnelle, il y a eu plus de 731 personnes mortes, de morts violentes. Et ça, sous la responsabilité du capitaine Oudino, dans les 26 communes. Vous vous rendez compte, c'est incroyable, incroyable. Ça ne paraît pas, mais quand on y pense, c'est pratiquement toutes les familles de nos communes ont été touchées. Il y en a qui ont été tués
pour rien, parce qu'ils étaient dans leur champ en train de sarcler leurs arbres ou de faire les foins au milieu de leurs chèvres. C'était comme ça. Et on prétendait qu'ils étaient tués les armes à la main. C'était une véritable tuerie. C'était une tuerie. Ça s'est passé dans notre village. Si, ben, نسميك voilà. ماكس جا كادافر وبغاك حبسه شكون وبغاك تروح للانسبيراسيون ني حكي لك كيف كاين شي كيضران شي كيضران في زي ايبل دوك تو دانس دي زين سكو سميت ليف مشطوح هذاك كي هاد سميتها كان ويتي دي توالي انتي كي سانك تمامي واش ماكس اسمني في هذا فرانسيست ولا تقبيل تخطر تروح حسب ما كاين تقبيليت ماشي سوز كان شدي النار انك ذا كان ايلول 42 كنت تتسوسن يماس تموت يماس تموت غابا باس يماس تفرانسيس كيوم دينار دي تزوارا يفاد الحال تزوج سير ميس يماس ماكس وكي جانو يوهر ماكس دونك قيمن ديغوجي لنسي ماس سن باباس ماكس يشقات نار تموت ارتيزيبل مي كان يسعى 3 سنين ديال العمر سماكس وقلع دي 45 دينا جماس جانو وسي جيفان وماش دينا يورال دان فرنسا ماشا ماكس يقيم من جد سيتي ديربان دغا دينا بعدك بوكين دي حالة الديرا ماشي لاني سهلين دغا باب السن نسمي فاتني ديال ديرا ماكس دي جماس 53 يورال دي مارساي 53 عشان بس ماكس يغال بس ماكس يموت في 56 لا تتبوسن لا اميرن يغال ميجي موت بس ماكس يغال موت مش طوح اميرن دي العمر 13 تتبوسن دي ناري تصور بات تيزي ابل هنا وكي كان سوز كان مشى ابو حاتورا سلقاي سيسكسيين اني تحكي ذا ماكس ديني سوهمن نظرا باللي انا في الدوله مسوزرين ياك نار تيمورا القبايل تصيد كان ديال ولا هنايا في الدوله في نظر الكفته كاينك لكن تسعه 26 توزرين هاد اللي سكي فوري ذاك سوا اللي سيتي كي نظن اسمي كثير ذاك كان اسميس لاساس دو بيني دوالا غاسو لما نقرا في الدوله ماشي بيني دوالا انا دون لي سون دون لا تورمونت ديك الطاس نصف كان دي دوني ان زمرانف سند ذاك كان الدولة مزيان تسعة 26 ألف زار نسبة ندير هي واحد أفبري 1000 أبيتون بار فيلاج ديك الدولة تيزي هبل الطاس يتقام نتشوفرير مسودرين نظن ياكو وسنظن ذاك كان غاليمون تيزي هبل فرانسيس يوسد بسبوات 56 اشكو ثلاث يوسديان تيشد لنا غير النيف القبايل يتواسنا تسطا صار النيف ولا فاريس شكي جان بالقسم القضي لا غون فامي دنيج يتواسنن كاس دوالا دونك هي ثلاث مرات الا قضي روح ثم نفرا نيروميان يوكنا دي سوفير نيفيس شكي يتواسنا القبايل وذا شكاد دي سجاد زبنن توش ضيوين لي زيرور دي ماكيزان هاد لا ان ان كوم با بلي الغلطه ماشي كان الباطل ديال هكا سي تما فرانسيس وغال سي تما نمجو هاد وكيل خاطر ديال نيف وكيل شحال انت كتسري غيف او يفنا تحكوا ان بو بلوس لو ديتاي دو سكي سي باسي افيك بالقاسم القاضي مولا شاغيلي بور سوفي سون اونور دونك لا بريفيري فير راليي تيزي ايبل سيروميان احكي لنا لو ديتاي كيس كي سي باسي اكزاكتومون الدمار Oui, Vitassem, pour moi, même pour les autres, c'est un homme d'honneur. Il a sacrifié. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est une certaine abnégation. Il a accepté de se sacrifier parce que c'était pas autre chose. Quand on sait que on va radier l'ennemi contre
ceux qui sont des nôtres. C'est ça, nous sommes d'accord. Je pense que c'est parce que ils sentaient qu'avec les nouveaux qui arrivaient des Oitiens, ils avaient pour habitude de se marier à la petite semaine. C'était devenu comme ça. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas l'accepter à Tizi Ebed. Non, ce n'est pas possible. Hein? S'il fait que ça, il a pris sur lui, je suis d'accord, il a convaincu les autres de le suivre, parce que de toute façon, les autres savaient parfaitement ce qui se passait. Les femmes étaient terrorisées. Pour vous donner une idée, c'est que j'avais, en me promenant comme ça, j'avais découvert sur des fils tendus pour après d'une lessive, j'avais découvert une espèce de petit pantalon comme les nôtres, bouffant, mais avec des fleurs et plus petit. Ce qui fait que, si vous voulez, les femmes en étaient arrivées à mettre des pantalons, ça voulait dire qu'il y avait quand même des tentations, il y avait des gens qui tentaient de les ennuyer. Vous êtes d'accord, hein? C'est ça qui a été terrible. Et je m'en suis aperçu comme ça. Et après, j'ai très bien compris ce qu'a voulu faire Vitasson. Voilà. Et ce n'est qu'après l'arrivée des gens des Oitiens. D'ailleurs, c'est après le décès de Qassi Atramou, qui était lui quelqu'un d'extraordinaire. C'était le responsable de la cellule de Tizi Ebed. Il a toujours été correct, mais c'était quelqu'un de parfait. Et il a été remplacé par Mouloud Garib, qui n'était pas aussi parfait que ça. Mais je ne sais pas si c'était parce qu'il était sous la pression des gens des Oitiens. Donc, il ne pouvait pratiquement plus rien dire. Les gens des Oitiens avaient mis la main sur la région. Ils avaient mis la main sur la région. Et c'est ce qui fait que tout commençait à se déliter. Et c'est à cause de ça que Vikram Afkhali a décidé de faire appel à Oudinot. Et franchement, pour en arriver là, c'est qu'il avait vraiment, il était terriblement atteint par ce qui s'était passé, puisqu'ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'assassiner. Il a été averti par quelqu'un qui avait entendu les propos de ces gens des Oitiens, qui l'a averti, et s'il n'était pas parti dans la nuit, le lendemain, il était mort. Voilà, donc, si on veut, il a bien fait. Il a vraiment bien fait. Bon, à partir de ce moment-là… Mais, Damas, juste, je vais t'interrompre juste une seconde. Ma dernière légende des Oitiens, est-ce que c'est assez représentatif de vraiment des habitants des Oitiens? Non, c'est juste des voyous qui nous rappellent un peu les actions des islamistes de nos jours, parce qu'ils ne sont pas si différents, parce que ce genre d'histoire, je les ai entendues plusieurs fois, il y a eu des abus de la part des maquisards de la Révolution. Et moi, je suis des Oitiens au passage, je suis d'Agunigraran et je connais l'histoire de la famille Azem. Azem, c'est l'affaire c'est des erreurs de l'ALN qui ont poussé certaines familles à se rallier à l'armée française. Donc ça, c'est connu dans la Kabylie. Donc, c'est ça le but de cette émission, c'est que chacun a l'habitude de casser le tabou, dire même ce qui dérange. Donc, il y a eu des abus, non seulement du côté français, qui était atroce d'ailleurs, mais aussi du côté de l'ALN. Et peut-être un jour, on va raconter d'autres histoires. Donc, essayer de clarifier, de préciser, ce n'est pas représentatif probablement de tous les habitants des Oitiens, parce que les Oitiens aussi, elle a donné de grands maquisards pour la Révolution, mais c'est des voyous qui ont pris en otage la Révolution et ont fait ce qu'ils veulent. C'est ça, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Non, ils n'étaient pas du tout représentants de la Révolution algérienne. Ça, c'était des voyous, c'était des gens.
il faut dire une chose, c'est que Oswadia, ils ont énormément souffert parce que il y a eu une histoire. Le lieutenant Jacotte et son épouse étaient à la sas des Oswadia. Et ils avaient tendance à aller visiter les gens du village même. Et le lieutenant Jacotte a été assassiné. Et à partir de là, le sous-préfet qui s'appelait Jacques Achard a décidé de faire un massacre. Il a véritablement fait un massacre aux Oswadia. Ils ont réduit la région de manière incroyable. J'ai eu la liste des tués à Tegmout-Ljdid. Il y a eu pas loin d'une centaine de morts. Ils ont carrément vidé la région. Ils ont fait des déplacements de population. Ce qui fait qu'il se peut que les gens qui sont venus de chez eux pour s'installer chez nous et subit tout ça. Ça ne justifie pas. Franchement, ça ne justifie pas. Ça ne justifiait pas ce qu'ils ont fait chez nous. Voilà. Il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que si on pouvait accepter certaines choses de la part des militaires, d'ailleurs, ça s'est passé, ça peut se comprendre, on peut arriver à le comprendre, ce sont des ennemis. Hein, à ce moment-là, c'était des ennemis. Mais on avait du mal quand même à les accepter de la part des nôtres. C'est ça. Voilà, tout simplement. Mais je pense que les gens qui sont venus des Oswadia ont certainement subi des choses terribles, terribles. Et le sous-préfet Achard a fait des choses atroces là-bas. Voilà. Souvent, au Kouvelanoch, dans le détail de l'histoire, parce que le livre Inex, c'est un régal à le lire. Il y a parce qu'il casse le grand tabou. Zaken, il y a eu beaucoup d'abus qui s'y dénèrent, il faut les dénoncer, c'est ça notre rôle. On a épluché, j'ai épluché personnellement le livre Inex en détail. Ça serait bien de revenir sur votre mère d'Amart. Zaken, c'est notre belle, quand tu avais 3 ans, il m'a dit mot, après, réveil, écoute, c'est un mec, Jano Ransmour. Mais plus tard, et c'est là le suspense dans votre parcours, et même les mecs ou ce là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Alger et je travaillais au journal Révolution africaine. C'est comme ça que j'ai connu. Comment il s'appelait déjà? Ahmed Harbi. Et c'est ça, exactement. Mais lui, il est arrivé après Vergès. Oui, monsieur Vergès. En tant que directeur. Donc, si je comprends bien Damax, Mohamed Harbi, il était le rédacteur en chef, non, le directeur de la revue Révolution africaine, et Jacques Vergès, le maître Jacques Vergès, qui travaillait dans Révolution africaine. Oui, c'est ça. Jacques Vergès travaillait dans Révolution africaine. C'est lui qui l'a créé. Ah, c'est Jacques Vergès, c'est maître Jacques Vergès. Oui. Qui a créé Révolution africaine, c'est ça? Oui, exactement. Et Mohamed Harbi, il était quoi dedans? À la place de l'écho d'Alger. D'accord. Oui, d'extrême droite, de Marie Elbe, qui était l'amie intime du capitaine Oudino. Voilà. Ah, c'est comme ça qu'il a repris le journal. Et il a créé Révolution africaine à la place, voilà. Donc si j'ai bien compris, si je résume Damax, Zaken, l'écho d'Alger qui était d'extrême droite, il est rendu Révolution africaine, et c'est maître Jacques Vergès qui l'a changé. Et moi, l'historien Mohamed Harbi, qu'est-ce qu'il était là? Il était directeur de Révolution africaine, c'est ça? Il était directeur, oui. Il a remplacé Vergès. Voilà. D'accord. Et vous avez travaillé à Révolution africaine en tant que quoi? Être comptable. Au départ, j'étais comptable. Parce que quand je suis arrivé, ils avaient débuté là. Et il y avait des cartons partout. Et il fallait que je mette un peu d'ordre.
Puis j'étais habitué à ce genre de choses parce qu'à la SES de Benitoada, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, mettre de l'ordre dans les papiers. Et donc j'ai attaqué au bout. J'ai mis de l'ordre dans les factures, dans les bons de commande, dans les tout un tas de choses. Et au bout d'un certain temps, j'avais des relations avec les pères blancs, père Paul-Marie Farn, que j'allais voir, quoi, parce que j'avais commencé à faire des études en cours du soir. C'est pour ça que lorsque Oudinot m'a bloqué au village, c'est ça qui me manquait le plus. Quand je suis rentré après mon accident, je me suis fait mal à la main. D'ailleurs, ouais, j'ai encore la marque. Et donc, je suis parti au village en 60, 61, quoi, parce que j'avais réussi en 59. Il n'y avait plus personne au village, hein. Même mon meilleur ami, Mkhouran Atmansor, Wadi, c'était le dernier à partir. Il n'y avait plus d'hommes depuis 15 ans, à part les vieillards. J'étais le dernier. C'était même incroyable. Tous mes copains qui sont nés au village se retrouvaient à Paris. Et moi qui suis né à Marseille, j'étais bloqué à Tizil. J'étais. Ah oui, ça m'a. Si vous voulez, ça. Et donc. En 59, on a cherché, parce que là, j'ai laissé ma peau hein, si je restais. Et on a cherché à savoir qui pouvait me recevoir, où je pouvais aller. Et puis c'est comme ça que Nana Kulthum, parce qu'elle m'avait, quand j'avais 8 ans, c'est elle qui s'occupait un petit peu de moi, puisque j'avais perdu ma grand-mère. Et là, j'ai fait appel à elle et elle répond présent. Alors, je suis parti dès que j'ai pu. J'ai rejoint ma tante à Alger et c'était mon oncle par alliance, donc son beau-frère Ali Fassi, qui a été assassiné boulevard de Avenue de la Marne par des Français. Il a été assassiné par des Français. Il était receveur dans un tramway. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Ils les ont descendus, ils les ont tués. Avec des barres de fer et des bandes, je ne sais pas comment, ils les ont matraqués jusqu'à mort sans suite. Incroyable. Et donc, c'est lui qui m'avait reçu à Alger. Ils habitaient Djerb el Marsoul. C'est une des nouvelles cités construites tout récemment. Elle était magnifique. Et ils m'ont trouvé tout de suite un travail chez Monsieur Cohn, expert comptable, rue du Mont-d'Urville. Et par la même occasion, j'ai découvert que Pharaon, mon cousin Mouloud, était à la cité juste à côté. Ben j'allais le voir chaque fois que je pouvais. Je m'amusais avec Ali et Mokran, son fils, ses enfants. Et Davia, sa femme, était très gentille avec moi. Elle me recevait toujours bien. C'était vraiment sympa. Adamas, ẓriɣ belli Mulud Firawun Caɛban ttili akk ad nuɣal ɣur-s, maca bɣa ad yegzem lxiḍ. Pour ne pas couper le fil, ad nuɣal alam d yemma-k. Cci li tuɣra txedmeḍ révolution africaine, amek i d-découvriḍ belli yemma-k ur temmut ara? C'est parce que à un moment, au journal, le Révolution africaine, ça commençait à chauffer. Si vous voulez, ils ne s'entendaient pas. On avait l'impression que il y avait plusieurs points de vue et je suis allé voir le père Farn. D'ailleurs, je m'étais aperçu que à Alger, c'était pourtant notre capitale, mais il n'y avait personne de Tizi Ibène, de Gounardos, comme ça. Ils partaient tous à Paris, direct, sans s'arrêter à Alger. Alors, je suis allé voir le père Farn en lui disant, écoutez, mon père, j'ai l'impression que ça ne va pas très, ça va pas bien dans ce journal. Ils sont en train s'engueuler tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais faire un petit peu comme mes copains du village. Je vais aussi partir, si c'est possible, en France. C'est qui mon père? Et c'était un père blanc qui était
à la congrégation de Ben Chineb à Alger. OK. Voilà. Et donc, c'est chez lui que je faisais mes cours du soir avant d'être bloqué à Tizi Ouzzine lorsque j'ai eu mon accident, voilà, D'accord. en 60. Oui. Quand je suis arrivé en 59, j'ai réussi à aller chez ma tante. J'y suis resté un an. Donc, j'ai fait des cours du soir chez le Père Blanc, des Pères Blancs, et D'accord. je travaillais chez l'expert comptable. Et la fois d'après, quand il y a eu l'indépendance, je suis allé sur Alger pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai revu le Père Paul Farn, Oui. Paul-Marie Farn. Et j'ai continué à avoir des relations avec lui, même en travaillant chez Révolution africaine et tout ça. Et puis un jour, que Révolution africaine, je me suis aperçu qu'il ne s'entendait pas du tout. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y aurait moyen, d'après vous, que je parte sur la France? Il me dit oui. Surtout que je lui ai dit, surtout que j'ai peut-être mon frère qui est là-bas. Je vais peut-être essayer de le trouver. Il me dit, écoute, je vais essayer de. Parce que je n'avais pas son adresse de mon demi-frère, Jeannot. Il me dit, écoute, je vais essayer de me renseigner auprès de l'église de Saint-Calixte. D'ailleurs, c'est cette église, c'est à cette église Saint-Calixte que moi j'ai été envoyé quand j'ai été très très malade. J'ai été très très malade quand j'étais petit. Et donc, il s'est renseigné et au bout de quelques semaines, il me rappelle, il me dit, écoute, Max, j'ai des nouvelles. Je crois qu'on a retrouvé ton frère. J'ai un courrier de l'église Saint-Calixte, mais j'ai aussi un courrier pour toi. Et j'étais étonné. Alors, sur le coup, je voyais pas. Je pensais que c'était mon frère qui m'avait fait un mot. J'ouvre et effectivement, c'est mon frère qui me fait un mot. Mais il parle, il me dit. J'avais peur que tu sois mort. Normalement, j'aurais dû faire mon service, être engagé aussi, parce qu'il a été engagé en Indochine. Et il me disait, j'avais peur de te rencontrer, c'est pour ça que j'ai refusé de m'engager aussi en Algérie. Et j'en parlais justement à maman, puisque je l'ai vu dimanche dernier. Alors, j'ai été étonné. Maman, ça m'a vraiment. Ça m'a fait quelque chose, un choc terrible. Et donc, c'est là que j'ai appris que ma mère, que je croyais morte, puisque je l'ai perdue, j'avais 3 ans. Et puis, personne ne m'a jamais parlé de son existence ou quoi que ce soit. Hein. Et donc, à la suite de ça, je suis passé, je suis rentré en France, quoi. Et j'ai trouver donc ma mère qui ne me reconnaissait pas et d'ailleurs qui ne m'a jamais reconnu. C'est terrible à dire, mais elle savait même. Il faut dire une chose, c'est qu'elle a été aliénée 2, 3 ans après ma naissance. Elle a été aliénée à l'hôpital de Latima, d'ailleurs qui était tout juste à côté de où je suis né. Où nous habitions. Et ce qui fait que quand on s'est retrouvés, c'était un petit peu comme des étrangers. Ça m'a terriblement affecté. Elle vous a pas Non, reconnu. non, non, elle ne m'a jamais reconnu. Pour elle, j'étais quelqu'un d'étranger. Il y avait que Jeannot qui comptait. Pourquoi? Parce que faut reconnaître peut-être qu'au bout de 20 ans, c'est un peu normal que. Puis franchement, j'avais tort de m'attendre à ce qu'elle me saute au cou. Bon, ben, c'était comme ça. Surtout que ce qui c'était incroyable, c'est que entre 53 et 56, que j'étais à Marseille, je passais quasiment tout le temps devant l'hôpital sans penser un seul instant que ma mère y était. Par la suite, ça m'a vraiment bouleversé parce que personne ne m'a parlé.
Votre maman ne savait même pas que votre papa et votre père est mort, hein? Elle demande après Oui, votre père. voilà. Voilà. Même en me regardant, elle ne demandait que parler à mon père. Voilà, c'est tout ce qu'elle voulait. Et je n'ai jamais pu avoir de discussion, un dialogue avec elle. C'était impossible. Elle parlait beaucoup avec mon frère. Donc, ma adda maxo باش كني اريد صحيح الخيف ادنو غلا ما مول الفرعون مول الفرعون دونك لا فان دي زاني 60 tu as découvert si tu es un cousin à toi. Est-ce que à cette époque-là tu savais que mon pharaon était un grand écrivain? Eh bien, non, 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 non. J'ai toujours su que c'était mon cousin, puisque j'allais les voir à Zaolet Moussa. Ah D'accord. oui, j'allais les voir avec sa sœur et même sa belle-sœur. Et d'ailleurs, chaque fois que je revenais, ils avaient des noyés, j'avais des noix, je rapportais du lait, ils avaient une vache. Non, non, j'ai toujours su qu'il était mon cousin. Nous étions voisins, tout se sait. Tout le monde se connaît, on vit ensemble. C'est en Kabylie, on vit les uns avec les autres, vous comprenez? Hein, c'est ça la Kabylie, en fait. Dans un quartier, c'est quasiment une famille. Voilà. Donc j'ai toujours su que c'était mon cousin. Il n'y a pas que lui, il y avait Facker. Qui était mon cousin aussi. Et donc, non, à Alger, quand j'ai su qu'ils étaient là, pour moi, ça a été extraordinaire. J'ai passé des moments très agréables à l'école. C'est Noura, elle s'appelait Noura. Et on a passé des moments extraordinaires. Il faut reconnaître que Mouloud, je ne discutais pas beaucoup avec lui, mais il m'a jamais appelé Maxou, par exemple. Il m'a toujours appelé Max. Et il était toujours débordé. C'était quelqu'un de hyperactif. Quand j'allais chez eux, ils me demandaient des renseignements rapidement, ce qui se passait au village, si j'ai entendu quelque chose. Mais il était toujours en contact avec le village. Il voulait toujours tout savoir. Et c'était quelqu'un de très actif. Il avait toujours des dossiers dans les bras. C'était quelqu'un de. C'était un très grand patriote. C'était un très grand patriote. Un petit peu comme les fascistes avec qui j'ai vécu un peu. Ils parlaient pas beaucoup, mais ils étaient très très près du village, par exemple, des gens du village. Voilà. Adda Maxo, dans le livre Tnir Dblir, c'est Mouloud Feraoun qui vous a tenu au courant comme quoi le village Tizi Ibil s'est rallié en 59, c'est ça? Oui, exactement. Alors, la plupart du temps, c'était moi qui lui donnais des renseignements. Et là, curieusement, c'est lui qui m'en avait donné. Alors, en plus, il l'avait fait d'une manière un peu de satisfaction. Parce que à un moment, il avait appris par sa mère ce qui s'était passé, ses sœurs, tout ça. Comment ça a commencé à dégénérer, hein, avec les gens des Oadia. Et il était très très inquiet de ce qui se passait. Et il voyait bien que les gens du village souffraient, n'en pouvaient plus. La plupart des gens qui sont partis sur Paris, d'ailleurs tous les gens du village, avant d'embarquer pour Paris, ils passaient nous voir la plupart du temps. Donc, ils savaient ce qui se passait. Ils s'inquiétaient énormément. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il a appris ça, en me le disant, moi, il avait l'air assez satisfait. Il m'avait dit que pour les gens du village, qui étaient arrivés au bout du rouleau, c'était peut-être la mauvaise chose qui pouvait leur arriver. Voilà. Tout en ça, moi je pense que c'était quelqu'un d'humain. Il était contre toute violence, d'où qu'elle vienne. Hein, c'est ça. C'était quelqu'un qui était contre la violence. Voilà.
Mais j'avoue que moi, je l'ai aimé. Mais je ne savais pas, je crois que je suis pas le seul. À vous entendre, donc j'ai pu comprendre comme quoi les Mouloud Firaoun, qui est un patriote très Mouloud Firaoun, très connu, s'il a été satisfait du ralliement de Sidi Ebel, c'est que voilà, effectivement, l'ALN, il a fait des grands dégâts. Et ceci me rappelle le journal, son livre, le journal dans lequel il a écrit ceci. Et je comprends maintenant pourquoi il a écrit ceci. Il a dit, j'ai pu lire d'un bout à l'autre le numéro spécial de Mujahed. J'ai été navré de retrouver pompeusement idiot le style d'un certain nombre de matériaux régionaux. Il y a donc ces 30 pages, beaucoup de foi et de désintéressement, mais aussi beaucoup de démagogie, de prétention, un peu de naïveté et d'inquiétude. Si c'est là la crème du FLN, je ne me fais pas d'illusions. Ils tireront les marrons du feu pour quelques gros bourgeois, quelques gros politiciens tapés merveilleusement dans leur courageux mutisme, et qui attendent l'heure de la curée. Pauvres montagnards, pauvres étudiants, pauvres jeunes gens, vos ennemis de demain seront pires que ceux d'hier. Maintenant, je le comprends parfaitement pourquoi il était satisfait du ralliement de Sidi Ebel à l'armée française. Il était très lucide. C'était quelqu'un de très lucide. Oui. Je pense qu'il appréhendait les choses beaucoup plus que n'importe qui. Mais j'ai été quand même étonné parce que habituellement, c'était moi qui lui donnais des renseignements. Voilà. Kinigmouth Mouloud Feraoun en 15 mars 1962, Mesdi Bounadine Tizi Hebel, quand il a été enterré, les gens d'Alger blâmaient Esmiss Belkacem à travers. C'est ce que tu as écrit, me semble, je ne sais pas à quelle page. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ça?